Bonjour, nous avons ici une très belle sacoche, mariage de toile et de cuir, avec des finitions vraiment nickel. C'est vraiment bien fait. Vous voyez toutes les pièces en cuir ici. Alors les fermetures, il est inutile de défaire les boucles, puisque tout est fait par des pressions aimantées. Fermeture magnétique. C'est simple et rapide à ouvrir, mais ça tient bien quand même. Au niveau de la poignée, la largeur la rend assez confortable en fait, puisqu'elle est assez épaisse en cuir. Ici, vous remarquerez des anneaux en D placés de chaque côté qui permettent d'y attacher la bandoulière qui est livrée avec la sacoche. L'épaulette ici est rembourrée pour un meilleur confort. Ici, nous avons des mousquetons rapides métalliques qui ferment très bien. Au niveau des rangements, alors là, ils sont assez nombreux. Vous en avez d'abord un à l'arrière avec une fermeture à glissière. Vous voyez, il est doublé. À l'avant, vous avez donc d'abord deux petites poches extérieures, elles aussi fermées par des pressions aimantées. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez d'abord une grande poche ordinateur qui est rembourrée. Ici, on voit le rembourrage, qui est tenue par un velcro, une sangle à velcro élastique, ce qui permet, si jamais le sac se renverse en position ouverte, que l'ordinateur ne puisse pas tomber au sol. Il sera retenu par la sangle. L'intérieur est vraiment très bien fini. On voit ici, on a une grande poche fermeture à glissière. Ensuite, vous avez des poches plus petites pour des stylos, etc. et diverses choses. Et ici, vous avez également un grand rangement. Franchement, la finition est top. Sur le côté, vous avez des emplacements pour mettre un parapluie, des bouteilles, petites bouteilles, etc. Ce que vous voulez. Vous en avez un de chaque côté. Voilà. Très belle sacoche.